fais quoi? Quand? Comment? Télé-Caraïbes est partout naturellement. Vendolive couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. Vendolive en toute ponctualité. Vendolive, nous sommes directement présents dans tous les événements. Je salue le directeur cabinet, Dr. Abraham. Je salue le directeur technique qui est présent, le directeur Fleury-Jean, directeur enseignement secondaire, directeur Faubert-Michel, directeur ressources humaines, cadre ministère présent, directeur communication, directeur Hudson Saint-Fleur, avec un gros coup de chapeau pour nous tous qui présents matin. Hein. En réalité, où est ça ce matin avec un pile jeune qui chita là et qui font pari sur Haïti dans le contexte ça, c'est déjà un gros soulagement. Parce que nous avons un contexte difficile, côté que un pile jeune a cherché vos pères, quitte sac diplômé, quitte sac dans la faculté, quitte sa cap suivant parcours de l'école professionnelle ou quitte sa pas dans l'école du tout, il a cherché repère, il a cherché la voie pour un avenir meilleur, il a cherché la vie. Et si nous prenons temps de répondre à une invitation au ministère de l'Éducation nationale pour que nous inscrivions nos parcours professionnels qui sont capables de conduire au métier d'enseignant en salle de classe, c'est déjà un gros signe que tout bagaille pas perdu. Et moi-même, je fais partie de monde qui croit que l'on société a dégringolé, l'on pays a dégringolé. Dernier rempart société, hein, c'est l'éducation, c'est la culture. Il y a une opportunité pour nous avec le ministre culture et communication pour nous lancer l'année du patrimoine. Et qui dit patrimoine, je ne vais pas prendre aucun étudiant qui l'a, définition classique patrimoine. Mais gardien patrimoine, c'est la connaissance. Transmission patrimoine, c'est l'éducation. Protection patrimoine, c'est protection identité. Et c'est ça qui construit base en pays. Oui, l'école, c'est donner zèle quatre pays. Et pas de bon temps ni mauvais temps pour l'école faite. L'école, c'est tout le temps, chaque jour. Quitte les fêtes dans la salle classe, quitte les fêtes dans la cour, dans le grand la cour, dans l'habitation. Tout côté, c'est espace pour nous créer, pour nous transmettre, pour nous réfléchir, pour nous avancer. Mais c'est clair, salle classe offre une opportunité, une pile opportunité, pour nous participer dans le travail. Ça. Travail pour que le pays reprenne sens, sans chimer l'histoire de tracé, et que les prince espoir tout, que tout le bagage n'est pas perdu. Dans ce sens, dans tout le GFO ministère a fait, nous créons deux commissions. Commission nationale sciences, technologie, innovation et une commission nationale curriculum. Et dans le travail, ça a un pile bagage qui pour déconstruire dans gens l'école l'a fait et qui pour reconstruire l'autre l'école. Enseignant qualifié, c'est pilier pour déconstruire mauvais l'école là, pour construire plus bon l'école. Enseignant qualifié dans discipline qui pas enseigné ou qui mal enseigné, ou ne mérite faire enseignement ou évoluer, c'est l'autre base là tout. Matin, le ministère de l'Éducation nationale content accueillir trois groupes. Retant pile l'autre groupe encore, nous allons faire même exercice là, qui pas là. Maintenant, trois groupes qu'il a eu, c'est l'école normale supérieure, faculté linguistique appliquée, avec IERA, parce que non, ça a toujours été sonné, Institut d'études de recherche africaine, bien que l'IERA évolue aujourd'hui hein, avec nouvelle appellation hein, qui c'est ici, c'est ça? Sens rencontre matin, hein, qui pape longue, qui parle symbolique, c'est engagement ministère prend pour recruter nouveaux stagiaires pour l'année 2023. Nous démarrer aujourd'hui. Nous allons continuer avec plusieurs autres groupes
que ce soit École nationale géologie appliquée, surtout dans la filière, pour filière améliorer enseignement filière sciences vie et terre, École nationale et NARTS, pour tout ça qui concerne série, elle est là. Et non seulement on a continué avec faculté dans l'université de l'État qui était dans la cohorte année passée, hein, la faculté des sciences, en particulier pour sciences, série sciences économiques et sociales, on a élargi à CTPEA et université publique régionale, université publique régionale, y compris l'autre faculté UEH qui pas n'importe où presse. Son grand jour pour le ministère et je suis content que nous répondons à l'appel. Je voulais saluer la collaboration du recteur de l'Université de l'État dans le cadre d'accord qui était déjà signé et qui permet que la journée soit possible. Je salue à la fois le doyen faculté linguistique appliquée, doyen Yera, que j'ai eu l'opportunité de parler avec eux et qui très content que signatu stage sa yo possible. Ministère attend en pile de nous parce que dans cadre réforme curriculaire là nous besoin l'autre génération, l'autre contenu pour enseignement l'histoire dans pays hein. Une histoire qui est plus authentique, qu'elle charrie l'histoire depuis période précolombienne qui inspire de travaux ministère participer là-dedans au niveau international parce que Haïti est un groupe de travail international conservateur parce que l'Afrique a fait un prochain tome de l'histoire de l'enseignement de l'histoire africaine de manière plus authentique tout. Et c'est même j'en ai fait pour Haïti, on a revisité contenu enseignement l'histoire depuis la période précolombienne jusqu'à l'histoire contemporaine aujourd'hui. Nous avons besoin de plus d'outils, nous avons besoin de plus philosophe de l'histoire, sociologue, enseignant, historien, et c'est très clair pour nous chercher Mounsayo, très clair que faculté présente aujourd'hui ont un gros rôle pour jouer. Ces mêmes gens, ministère pral très content participer dans la date 21 février comme invité d'honneur à Paris dans journée internationale langue maternelle. Année sa thème qui choisit, hein, c'est éducation multilingue comme outil pour transformer l'école. Ministère de l'Éducation nationale a participé dans la cérémonie ouverture officielle là et il vient pour présenter tout première expérimentation année ça de livres scolaires qui en créole haïtien je nous connais que nous les livres uniques et qui commencent à distribuer à travers le territoire national. Dans ce sens ça nous très content que FLA a poté collé avec le ministère en même temps avec l'Académie créole haïtienne pour que le protocole ministère ait signé en 2015 avec AKA, qui bat aujourd'hui en 2017 déjà, orthographe et standardisé, hein, nous continuons de travailler sous chemin ça. Sous chemin la science, sous chemin la culture, sous chemin l'école. Déjà dit, bienvenue dans KAELA. Nous comptons pile sous nous pour le stage qui pourra le faire. Pas seulement pour la presse, mais à travers le territoire national là, et le ministère a fait tout l'effort pour qu'il mette tous les outils à disposition stagiaires stage pour que le stage a réussi et après ce stage là, nous continuons nos processus qui permettent que nous arrivions graduellement dans la salle classe dans le pays. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et là pour représentant de chaque entité, alors pour nous dire à partir de lundi que chaque université, chaque faculté, on a bien pour inviter dans l'espace pour nos cafés, signer un contrat stagiaire et puis pour nous dire mais qui côté nous pour aller. Mais pour aujourd'hui, symboliquement, nous avons Augustin Yonel, qui c'est l'école normale pour physique à Bincien, symboliquement avec le ministre. Et quand on dit symboliquement, c'est pour gérer le temps. Pour gérer le temps. Et nous avons Bourdo Magdala, qui a Bincien pour IRA. Représentant de la FLA. Et puis, c'est deux, et le troisième, non? Troisième, non, je n'appelle pas le symbolique.
Alors, Madame Boudou Magdala, demeurant domiciliée dans le département de l'Ouest, considérant que l'employeur a besoin de professeur stagiaire de géographie, considérant que le professeur stagiaire présente les qualifications et compétences requises, considérant qu'il y a lieu de conclure un contrat à cet effet, il a été convenu et arrêté ce qui suit. L'employeur engage le professeur stagiaire qu'il accepte dans le domaine de sa spécialité à titre de professeur stagiaire de géographie affecté au lycée Rochabateau de la direction départementale de l'éducation du Sud, selon les termes de référence annexés au présent contrat pour faire partie. Voilà. Stagiaire, vas-y. Ok, allez, on y va. L'État haïtien représenté par le titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et M. Augustin Yonel, demeurant domicilié dans le département de l'Ouest, si après dénommé le professeur stagiaire, considérant que l'employeur a besoin de professeur stagiaire de physique, considérant que le professeur stagiaire présente les qualifications et compétences requises, considérant qu'il y a lieu de conclure un contrat à cet effet, il a été convenu et arrêté ce qui suit. L'employeur engage le professeur stagiaire qu'il accepte dans le domaine de sa spécialité à titre de professeur stagiaire de physique affecté au lycée Henri-Christophe de Verrette dans la direction départementale de l'Artibonite, selon les termes de référence annexés au présent contrat pour en faire partie. Allez, bienvenue dans la maison. Allez. Voilà. Tu souris pas mal. Alors, entre l'État haïtien représenté par le titulaire du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle et M. Alix Belmont, considérant que l'employeur a besoin de professeur stagiaire de créole, l'employeur engage le professeur stagiaire qu'il accepte dans le domaine de sa spécialité à titre de professeur stagiaire de créole affecté à l'école nationale Sœur Teresa de Calcutta de la direction départementale de l'Ouest, selon les termes annexés au présent contrat pour en faire partie. Bienvenue, monsieur le professeur stagiaire. Ok, donc selon l'information que la direction enseignement secondaire a confirmée, pour exercice 2022-2023, à titre de professeur stagiaire, pour ensemble département école normale supérieure, c'est 350. Pour deux faculté qui a intégré concours de stage ça pour améliorer curriculum enseignement secondaire, nouveau secondaire là,
Donc, le ministère est très content d'accueillir, année ça, 80 professeurs stagiaires IRA et 50 professeurs stagiaires faculté linguistique appliquée. Donc, bienvenue. Donc, à compter sur direction enseignement secondaire, direction ressources humaines qui va le faire suivi pour que tout reste contrat stagiaire finalisé d'ici semaine prochaine. Merci. Qui fait quoi, quand, comment, Télé-Caraïbes est partout naturellement. Vendelive couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. Vendelive en toute ponctualité. Vendelive, nous sommes directement présents dans tous les événements.